Salut à tous, c'est Macronian Minou, on se retrouve pour le deuxième épisode sur Pokémon Soleil et Lune. Alors, je suis très content de pouvoir rejouer avec vous. Normalement, là, si tout se passe bien, j'ai fait le montage du premier épisode, il devrait être en train d'uploader, il devrait être publié d'ici quelques minutes, si tout se passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Bon, la qualité vidéo, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit peu abstraction. Le son, ça va l'air pas trop mal. J'ai pas trop de soucis malgré que j'ai pas le filtre anti-pop, peut-être parce que j'ai réussi à mettre le micro assez loin. Si pour vous il y a quand même des trucs qui vous gênent dans le son, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, j'ai mis un tout petit peu plus fort pour essayer de capter le son du jeu. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, donc on en était ici, on venait d'avoir notre premier Pokémon qui s'est... Donc on avait pris Brindibou, on l'avait appelé Gazon, donc on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Hop. C'est parti, alors... Alors, nous avons Gazon, il a comme attaque charge, feuillage et rugissement. Ok, il est de... Alors, où c'est que c'est la nature? Talent engrais, ok. Ok. Il est prudent. Donc, prudent. Je vais regarder vite fait, je me suis mis une petite table là à côté. Vu que je connais pas trop les natures. Donc prudent, on est sur du malus en attaque et bonus attaque spéciale et bonus en défense spéciale. Ok. Bon moi hein, je veux pas trop de strat, ça me joue pas trop, mais si vous ça vous intéresse. Vous savez qu'il est donc prudent. Oh il est assez mignon quand même, je suis assez content. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a le Pokédex. Alors je vais essayer quand même de pouvoir y aller. Le Pokédex, d'accord. On a Brindibou. Il est vraiment pas mal. Hein. En plus, bon, là, vous voyez pas, mais sur le deuxième écran, il y a une petite carte pour savoir où c'est qu'on l'a capturé. La zone de capture, c'est cool. Bon, allez, nous, maintenant, on va avancer. Il nous a dit d'aller voir notre mère dans le dernier épisode. On va aller voir Mamoun. Je sais plus c'était par où. Est-ce que c'était par là? Ah, le rival. Hey toi! Ouais toi là-bas! On se fait un combat! Allez! Oh oh oh! Mais enfin Tilly, où sont tes manières? Je commence déjà par te présenter. C'est vrai, je sais pas t'es qui gros. Il a l'air un peu gogol. Ah oui c'est vrai, pardon, moi c'est Tilly, enchanté. Mon papé c'est le doyen de l'île, mon Pokémon c'est Otaquin. Alors je sais pas si c'est vraiment le rival hein, parce que... On n'a pas l'avantage... Enfin on a l'avantage du type. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Normalement, je n'aime vraiment pas voir les Pokémon se battre, mais si c'est pour vous encourager, je veux bien faire une exception. Merci, Pépette. Lance quelques capacités. Ok. Alors, on va voir un peu... Bah. Il n'y a pas d'attaque, en fait. Ouais. Que le combat commence. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il veut se battre. Allez. Ah, c'est pas mal quand même. Bon, Otaquin va l'air assez ridicule, mais finalement, il est plutôt mignon. Que doit faire Gazon? Alors, on a l'attaque feuillage. On va essayer l'attaque feuillage. Il n'a pas l'air d'être trop rapide. Waouh, ça pique. Bon, vu que j'ai mis un gain assez fort au micro pour essayer de capter le son du jeu, j'espère que vous n'entendrez pas trop les petits bruits parasites comme quand j'appuie sur le bouton. Chose qu'on n'a pas avec la capture board, évidemment. Mais que, en tant que bon galérien, je vais me taper. Vu que j'ai tendance en plus à, pour essayer d'accélérer les conversations, d'appuyer, de spammer un petit peu le bouton A, pour voir un peu ce que ça donne. J'espère que ça vous gênera pas trop. Niveau 6, ok. C'est marrant, il garde toujours la petite même musique, c'est cool. Les transitions sont assez longues par contre. Trop fort, tu t'appelles Minou? Eh oui, j'ai trop la classe. Oulala, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi regarder cette pierre brillante.
On a l'air un peu couillon nous aussi, hein. On n'a pas l'air très intelligent. Nom d'une pipe. Non, c'est le nom d'un petit bonhomme, mais je trouve ça plus rigolo, nom d'une pipe. Papé et cette pierre. Mon petit minou, c'est bien Tocorico qui t'a sauvé? Oui. Oui. Ah oui? Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Oh non. Je suis sûr que tu ne la rendras jamais. Ah, demain il y a un festival, ben on sera là. Allez man, je te raccompagne chez ta mère, wesh. C'est parti. Elle est mignonne comme tout la petite Lily là. Piu piu. Bon, est-ce qu'on peut jouer à un moment donné dans ce jeu ou pas là? Est-ce qu'on peut se balader? Oh mon chéri, déjà de retour. Raconte-moi, tu as reçu un Pokémon? Bien sûr. Genre le chat il a pas envie de se bouffer une petite chouette là. Parce qu'il a la classe. Oui les choupis. Si des fois vous voyez que j'ai. Je fige un petit peu, c'est simplement qu'en fait j'ai. Mes doigts sont vraiment. Enfin, j'ai pas une position à l'aise, je tiens pas la console dans mes mains, elle est posée sur un support. Du coup, j'appuie sur les touches du bout des doigts, et des fois, voilà, j'en chie un petit peu à. Il faut pas trop que j'appuie fort pour pas faire bouger la console, c'est. Je devrais avoir une médaille pour ce que je fais. Quel splendide coucher de soleil! Et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Bon, par contre, ce qui est cool au passage, c'est que je peux voir du coup ce que je joue. En grand écran sur mon PC. Ça fait un peu comme si j'avais une capture board, c'est plutôt pas mal. Tiens, on sonne. Tu peux aller ouvrir? Allez gros, j'y vais. On a une belle baraque quand même. Hein. Moi j'aimerais bien déménager là-bas aussi. Eh man, t'es à bloc. Maintenant que t'es un ressort Pokémon, faut absolument que je te montre un truc. Je vais vraiment prendre la vie. Pas trop fort. Pendant ce temps, ta Mamounette et Miaouz vont déballer tous les cartons. Vous voyez, dans ma théorie, je disais qu'on avait un Pokémon dès le départ et que c'était peut-être Rocabo. Mais au final, c'est un Miaouz. Et c'est pas plus mal. C'est logique, on vient de Kanto. Il n'y a pas de Rocabo à Kanto. Hop, Minou, dépêchons-nous. Je peux m'attendre aussi, je peux marcher à côté de toi peut-être. Il est déjà plus là. Ah, ça sent le tuto capture. Par ici. Alors, écoute bien Marne. C'est dans les hautes arbres que les Pokémon sauvages sautent sur les dresseurs. Ces petits filous. Ah, j'ai hâte de capturer le premier Pokémon. Qui va-t-on avoir dans l'équipe? Un Picasso. Le fort d'envoi au cabot. Alors, vu que j'ai pas trop suivi l'actualité Soleil et Lune, est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, savent dans le... Le premier scan, enfin un des premiers scans du Kurokuro, on nous disait quand même que Rokabo avait un lien, avait un secret en commun avec les starters. C'est quoi? Utiliser Pokéball. Il lance une Pokéball. Et voilà le travail, tranquille. T'en fais pas, ceux qui parviennent à attraper te battront à tes côtés. Ça roule.
Oui, comme d'hab, la maman, elle soigne, c'est normal. Waouh, 10 Pokéballs. C'est trop classe, ça. Bon, toi et moi, on avait des Rapid Balls avec la démo. J'ai joué vite fait là pour faire des premiers tests vidéo à la démo. Alors, j'ai joué peut-être 2 heures, enfin 1 heure. J'ai été juste pour Alsa Shinobi. Je crois qu'on peut pas les avoir tout de suite, à ce que j'ai compris. Donc, on verra bien. 5 potions. Putain, il nous gâte, lui. Et donc, ouais. Ah non, c'est avec le. C'est le code avec la précommande, je crois. On avait des Rapid Balls. Enfin, je crois que c'était ça, j'avais. Oui, c'est ça. On a un code. Bon! Alors, on va voir notre premier Pokémon. Allez, pas un Picasso. Picasso. Bon. En plus, là, on démarre directement avec un Pokémon vol, donc on a peut-être pas forcément besoin de... On va quand même faire une petite attaque, là. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Picasso. Il pique un peu. J'irai voir juste après dans les options s'il n'y a pas quand même un. Comme dans les autres jeux, accélérer la vitesse de texte, défilement du texte. Vous avez vu? Il tourne sa tête. Une fois que tu vas. Je vais essayer de le laisser là sans attaquer. Zoomer un petit peu dessus. Moi j'avais l'impression qu'il tournait un petit peu sa tête. Ah voilà, il l'a fait là. Il est rigolo, petit gazon là. Oui, alors je l'ai pas capturé parce que j'ai pas envie de l'avoir dans mon équipe, il est nul. Il y a pas de Pokémon qui me tente là pour l'instant. On a toujours les petits Pokéballs à ramasser. Vous trouvez potion. D'accord. Est-ce qu'on aura toujours le petit logo A tout le long du jeu? Ouh putain, c'est un dresseur ça. Ouais. Avant, j'allais peut-être me soigner un petit coup parce que. Ah non, 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 non. Pas de mon glouton. Hors de question. J'imagine encore tous ceux qui vont le capturer, qui vont le surnommer Trump. Honte à vous. Costaud ce petit brindibou, j'aime bien. J'aime beaucoup. En tout cas, je sais pas si c'est normal, mais on a vraiment. Enfin, les PP sont. Le nombre de points de combat sont. Enfin, vous savez, les PP pour attaquer sont vraiment assez élevés. Je crois que je suis à 45 là pour feuille magique là. Enfin. L'attaque de feuille là. Elle est loin, Mamoun là. À bord des Kekra. Ok. Puis après, on va directement aller voir le petit dresseur. Voir un petit peu ce qu'il nous dit. Bon, je pense que c'est vraiment hyper agréable à jouer quand on a la console en main, avec le pad. Mais là, je peux pas le jouer avec le pouce, là, je joue avec avec mon majeur, c'est pas top. Dormir, c'est vivre, voyager, c'est grandir. C'est joli, ça. Bon, de toute façon, je jouerai un petit peu de temps en temps en off, hein, quand je prêt. J'experai, ça se dit pas, mais je dis quand même j'experai mes Pokémon. Non. De toute façon, il y aura que ça hein, dans les herbes, hein, ça je pense. C'est la première zone. On va fuir parce que. Non, allez, on va lui faire prendre son niveau, mais après, je vais calmer un petit peu. J'ai pas envie de trop creuser d'écart. Après, on galérera à capturer des Pokémon. Thank you.
Super. Oh, ça fait plaisir de jouer à un nouveau jeu Pokémon. C'est vraiment. Parce que bon, on avait eu Rosa, mais bon, Rosa, c'était pas. C'était pas vraiment un nouveau jeu, quoi. Attendez, je crois que. Je voulais voir si on pouvait marcher, vous savez, doucement, un petit peu comme dans Rosa, là. Ouais, donc je disais, c'est pas vraiment un nouveau jeu, quoi. Ils ont réadapté, n'importe quoi. Réadapté X et Y. Ça avait pas énormément changé, quoi. En plus, l'histoire, on la connaissait, donc graphisme qu'on connaît plus histoire qu'on connaît égale. Voilà, c'est bien pour passer le temps, mais. Lewis. Ah, Rattata, ça me plaît. Ah non, c'est un Alola. C'est quoi cette vieille moustache? Bon, du coup, je me souviens plus ce qu'il a changé de type. Il est pas passé de ténèbres un petit peu, lui. Mais debout sur ses deux pattes, il est classe quand même. Il est assez classe. Avec niveau 3. Rattata KO. Ouais, en fait, ça va, il est pas trop mal. Peut-être Rattata, j'ai peut-être un peu plus de mal. Il a l'air un petit peu plus dégueulasse. Mais non, le Rattata, il passe bien encore. Non, et puis c'est ça qu'ils sont malins en fait de nous balancer des. Oh putain, les. Ils sont malins de nous balancer les images un petit peu à l'avance parce que psychologiquement, ça permet de nous. En fait, on les voit tellement sur Facebook, sur tous les sites que on s'habitue un petit peu. On s'imprègne un petit peu d'eux et au final, quand on y joue, ça nous paraît normal. Je pense qu'on n'aurait jamais vu ces Pokémon, mais jamais. On aurait attaqué le jeu sans savoir qu'il y avait ça. On aurait été un peu choqué. Et ils sont intelligents. Bon, alors, du coup, on va les options. Non, merde. Options, vitesse, on a rapide. Animation de combat, on va les laisser. Style de combat, on va laisser le choix. Les commandes, par défaut. C'est quoi ça? Équipe et boîte? Choix manuel, ça peut être sympa. On va laisser. Et on va voir si ça change grand chose. Moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est la vitesse de transition là. C'est. Oh. Bonjour madame. Léa la fillette. Ah, il a pas eu sa petite forme à Lola lui. Pourtant Papillusion Lola ça aurait pu être rigolo. Mais déjà à l'époque, je me souviens dans l'anime, quand je crois que c'est quand ils étaient dans les îles Orange. Il y avait. Merde. Son Papillusion à Sacha là dans l'animé, il s'envolait. Et il y avait tout plein d'autres Papillusion. Et ils avaient des petites taches sur les ailes. Et donc du coup on nous disait que c'était parce qu'ils étaient. Ils étaient dans la jungle. Enfin voilà, c'était une autre région. Ils étaient déjà différents. Ils auraient dû jouer le jeu puis faire un Papillusion. Un Papillusion un petit peu différent. Oh, des fois j'aimerais bien me retaper tout l'anime, mais je l'ai fait une ou deux fois. Enfin, à l'époque, je l'avais fait une fois vraiment entièrement, et ça allait jusqu'à. Oh, je sais plus c'était quelle saison. Oh, c'était à la fin, enfin, voilà, c'était quand ils se séparaient avec Flora, donc c'est pour vous dire. Ça allait quand même assez loin, mais maintenant il y en a trop. Et puis plus ça va, plus ça devient gamin. Bon, on n'est pas trop mauvais pour le moment là. Enfin bon, on a deux fois le niveau. Des Pokéballs, ok. Oh, regardez. On a vu sur la petite baie là. Oh, c'est super calme. Faut que j'aille habiter là-bas, en fait. Bon, on va fuir, on va essayer d'avancer un petit peu. Regardez-moi ce temps, je sais pas si c'est normal. Ou c'est le jeu un peu trop puissant pour la console. C'est pas la New DS que j'ai, c'est vraiment le. C'est une 3DS XL que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on a un petit panneau là?
Conseil aux dresseurs, les Pokémon obtiennent des points d'expérience en participant à des combats. Ah bon? Je ne savais point. Ah, un Crisacier. Non, non, Crisacier, non. Donc là, vous avez vu mon gros doigt. C'est un petit peu con ce que j'ai voulu faire, là. Je voulais essayer d'aider un petit peu l'écran tactile. Il faudrait plutôt que je prenne mon stylet. Peut-être qu'avec mon stylet, vous ne verriez pas où j'appuie. On verra ça pour le prochain épisode. Bon, un petit peu de diversité, s'il vous plaît. Oula, il y a des petits flambeaux. On se croit dans Koh-Lanta. On dirait la musique dans le trailer. Daryl, ça va, tu t'es remis avec Negan, ça s'est bien passé? Tu. T'es super fort, bah oui, je suis super fort. On gagne pas beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est des petits gosses là. C'est des petits gosses du début. Ils ont pas trop de thunes. Oh, c'est vraiment canon. Avec sa petite croupe là sur la tête. 4 îles, ok. Chaque île possède son propre Pokémon gardien. En tout cas, un moment de joie où chacun met du sien. Et on doit faire quoi, nous? On va faire une tarte. Oh là là, mais il y a trop de choses à voir là. Mon Kabo adore frotter les cailloux qu'il a. Ma jambe, d'accord. Si c'est ça, ça va. Ah oui, ça fait mal. Allez. On dort avec un ventre rempli. Après une bonne nuit de sommeil, on se sent en pleine forme au petit matin. C'est le minimum pour prendre du muscle. Quand je laisse la fenêtre entrouverte la nuit, j'ai l'impression que le marchand de sable se faufile dans ma chambre. Ok, la drogue. Ok. Alors, allez, rentre mon petit. Qu'est-ce que tu me fais là? Il y a des rocabos partout ici. Il s'habitue à la vie de la maison. Ok. Oh, j'aime bien un rocabo quand même. On a capturé un ou. Dans ma théorie, j'avais dit que peut-être que quelqu'un nous le donnait. Voilà, c'était une hypothèse comme une autre. Mais ce serait cool. Nous avons tous une... Okay. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu à tous les PNJ. Hein. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus de trucs cool que ça.
Maintenant, on s'est assez enjaillé un petit peu avec le jeu, on va essayer d'avancer. Salut Minou. On arrive pile au bon moment. Faut deux Pokémon s'affronter de toutes leurs forces, oui. C'est Battle du coup qui a Flamiaou. Mon petit Minou! Mais oui, je suis prêt, mais bien sûr que je suis prêt. Mais c'est cool qu'on nous demande. On sait jamais, on peut aller peut-être aller se soigner un petit coup. En tout cas, l'ambiance sonore est top. Hein. Je sais pas si ça s'entendra au micro, mais on entend le crépitement du feu. Grand tournoi des îles. Tokoriko déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant. Ah ouais, un tournoi comme ça dès le début. Je reconnais bien là notre gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Coucou maman. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe, du moment qu'on se bat. Ouais, enfin c'est quand même mieux quand on gagne, hein. Pichu. Oh énorme, il a Pichu. Ça sent le Raichu Alola. Ça pue le Raichu Alola. Que doit faire Gazon? Bon, théoriquement, ça devrait le faire. Curieux ça, cette petite souris. Putain, on est en train d'un peu trop monter là. Faut vraiment qu'on se capture un petit Pokémon. Ah, Pic-Pic, c'est cool. C'est de nous faire chier parce que bon, on est de type plante quand même, donc les insectes nous font chier. Mais là, avec une petite attaque vol, ça va être cool. Enfin, je sais même pas si on est déjà le double type. Putain, je vais même pas regarder. Est-ce qu'on est juste plante? Il l'a capturé où son Pichu? Moi je serais pas contre un petit Pichu. Bon, on va spammer le feuillage hein, de toute façon. Allez, on y croit, on y va. Elle monte sa petite queue à Brindibou là. Sa petite feuille qui dépasse. Bon, ça y est, on devient imbattable. Ouais, je sais, je suis trop fort. Soumets-toi. Prosterne-toi. Alors, c'est un tournoi, mais avec une manche, quoi. Ah non, d'accord. Ah, est-ce qu'on a déjà accès à la capacité Z?
Du coup, vu que je joue un petit peu à la démo, on voit un petit peu l'animation où il nous prête un Pikachu. C'est sympa. L'animation, mais bon, je pense que cette attaque, ça sera pas vraiment utile. Il est fort rare que Tocorico fasse directement cadeau d'une gemme lumière. Je crois que Tocorico t'aime bien. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu verras plus clair. Bon, t'es... Il y en a 4, man. Il est où son pouce? Pourquoi? Parce que tu viens avec moi? Petit Scarabrut, j'ai encore des choses à t'expliquer. Petit Scarabrut. Il faut absolument que je remercie Tocorico. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou. Ouais, un petit peu nous, je veux dire, on a quand même protégé des Piaf avec. Grâce à notre dos énorme. J'ai une dette, moi aussi. Ouais. Ça y est, on commence à devenir le petit trou du cul. Côté obscur. Eh les jeunes, on se rentre. Je trouve qu'il prend vite la confiance, le prof, là. Vous vous rendez compte que voilà, est-ce que le jeu va être que comme ça? Que des petites missions, des petites cinématiques? Ça change vraiment des autres jeux. D'habitude, c'est l'intro du prof chaîne, une mission, une quête, et puis hop, c'est parti. Un colis ou une connerie comme ça. Tu as très bien battu, mon chouchou. Ça fait tellement chaud au cœur de te voir en communion avec ton Pokémon. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. La petite nouvelle petite musique est vachement cool. Le lendemain. Je change jamais de fringue. Il fait si bon, j'adore ce climat. Tiens, on sonne à la porte. Encore. Tu vas chez notre dresseur en herbe, dis de passer, ok, allez. Tiens, un petit peu d'argent de poche, n'oublie pas que ça pousse pas sur les arbres. C'est bien, c'est sympa. Merci maman. Alola est vraiment fantastique, on rencontre des gens formidables. C'est quoi de cette tête d'abruti qu'elle a? Bon vent les enfants. Le professeur nous attend. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a fait quand même un bon petit bout là, on a fait pas mal de cinématiques. On a réussi notre petite manche de tournoi et ça c'est cool. Et maintenant on va aller voir un petit peu avec le professeur ce qui se passe. Je pense que... Parce que là on a le Pokédex mais on a... pas encore évoqué le Motisma, donc je pense que ça devrait pas trop tarder. On a eu notre bracelet Z et ça c'est cool. Donc voilà, on se dit à un prochain épisode. C'était Maconium et nous, bye bye.